Ce lundi, la collecte de sang se faisait dans la matinée à l'aéroport Paul Caraïbe. Une opération qui a été principalement orientée vers le personnel de l'établissement, mais néanmoins ouvert à tous. C'est une première, c'est vrai qu'au niveau de la communication, on a ciblé un petit peu le personnel de l'aéroport, en ouvrant aussi au public, parce que toutes les personnes sont les bienvenues. Pour l'instant, on est à une petite vingtaine de poches, ce qui est bien pour une première. Après, la collecte n'est pas finie, on risque de faire mieux. En gros, dans l'idéal, il faut une cinquantaine de poches par jour. Donc là, vous voyez, on est à 20. Il en manque, mais c'est déjà 20 poches de collecter. L'année dernière, l'établissement français du sang ne récoltait qu'un peu plus de 7000 dons de sang. C'est moitié moins que la quantité nécessaire pour soigner les malades. On a toujours le même souci en été, c'est-à-dire qu'on a une baisse au niveau des dons. Les donneurs ne sont pas forcément disponibles, partis en vacances. Et par contre, on a toujours autant de besoins au niveau des malades, des accidents sur les routes. Donc d'un côté, on a moins d'entrées, de l'autre côté, on a plus de sorties, ce qui fait que les stocks sont vraiment bas. Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a il y a une méconnaissance du don. Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent, de gens qui ont peur de l'aiguille, qui ont peur de la vue du sang. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils viennent voir sur le camion, voir comment ça se passe. Pas forcément donner la première fois, mais au moins poser des questions, se renseigner, parce que il y a une équipe médicale qui est ici, qui est prêt à répondre à leurs doutes, leurs interrogations. C'est la première fois que je donne mon sang, donc du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer aujourd'hui. Et comme c'est sur le lieu de travail, j'y vais. Ça s'est bien passé, j'ai pas pu donner beaucoup de sang, mais pour une première ça a été. C'est que j'étais dans le centre et comme ça fait longtemps que j'ai pas donné, alors j'ai profité. Parce qu'on me relance souvent et j'ai pas le temps. Alors, je me suis dit que c'est une occasion de profiter pour donner mon sang. Comme je sais, c'est une bonne action. Le laboratoire mobile se présentera ce mardi au SDIT des Abîmes et le mercredi au centre commercial de Destreland.